Et yop le petit pote, c'est vrai coup, nouvelle vidéo sur Clash Royale les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo test en fait, parce que vous savez, en fait en ce moment je joue pas trop à Clash Royale, je vais pas vous le cacher, ça fait un petit mois que j'ai arrêté, mais je joue plus trop, du coup là ce que j'aimerais bien essayer c'est la guérisseuse. Avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à s'abonner et à lâcher votre meilleur pouce bleu car beaucoup de personnes qui regardent les vidéos ne sont pas abonnées. Donc vraiment abonnez-vous et merci à ceux qui le feront. Donc les gars, on va tout simplement partir en SD, donc je suis avec mon deck principal, j'ai remplacé Chevalier d'Or par la guérisseuse et on va tout simplement tester voir si si ça vaut le coup de la jouer et puis un peu à distance notre première game. Ok, alors nous sommes contre 7-7-77 du coup hein. Alors ok, 15 pour un chevalier, à mettre le bourreau. D'ailleurs, demain, je serai... Attends, non, peut-être pas demain. Après-demain, je serai sûrement en live où je rusherai les SD, parce que je me sens que ce sera le dernier jour avant qu'il y ait plus la réduction slash royale. Du coup, j'ai juste fermé les SD. Et la semaine d'après, je serai sûrement en live pour rush. Parce que du coup, j'ai pas le temps de rush. J'ai pas le temps de rush. Voilà. Les ligues, c'est le mot que chercher les ligues. Ok, c'est bien chiant ça, la guérisseuse, elle est bien relou, parfait. Nickel. Elle y heal, c'est bien. Pour l'instant, j'aime bien. Pour l'instant, j'aime beaucoup. On va voir ce que ça donne, mais moi j'aime pour l'instant bien. Je vais mettre un cimetière, parce qu'il est en PLS un peu d'Alex, il est juste... Splash Shirt si je ne dis pas de bêtises, donc il a un poison. Et il a déjà réussi très bien. Bon bah c'est une première victoire plutôt assez simple, on va pas se le cacher. Ça fait plaisir, enfin encore une fois 3 games. Sauf s'il y a un deuxième réussite comme ça, à ce moment on en fera 4, mais normalement on en fait 3. Et puis voilà, c'est juste pour tester de toute façon et et après, de toute façon, d'ailleurs, j'ai fait une nouvelle série, les gars, à partir de demain, enfin, à partir de lundi, du coup, lundi, qui sera la prochaine vidéo, pendant quelques, peut-être une semaine ou plus, je verrai en fonction, oula. Frérot, on est où, là? Pendant quelques temps, je vais faire une vidéo par jour, ça va être, j'essaie de monter les arènes le plus rapidement possible, en gros, et je vais mettre 3 games par arène, donc un au début de l'arène, un au milieu de l'arène, et un le passage de l'arène suivante. Voilà, voilà, donc si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me faire savoir, ça me ferait extrêmement plaisir. Ok, on va mettre un bourreau. On a déjà pris bien cher avec son vieux push là. Oh. Ça casse les couilles de sorcier, la vérité, ça casse les couilles. Je vais la soigner comme ça, regardez. Ah, puis je suis un génie, regardez. Alors, pas sûr de l'info du coup. Oh putain. OMG. Il a un sorcier miroir, le bug. C'est un malade hein. C'est un fucking malade hein. Je suis obligé de gel parce qu'en fait le... Le sorcier vient me goumer la tour sinon. Voilà. Il a eu un coup, il va me goumer la tour sinon. Bon, sorcier, miroir, cochon royaux... Ouais, carrément. Valkyrie, cochon, ouais, ce que j'ai dit quoi. Il y a un miroir évidemment. Qui ne joue pas un deck comme ça, hein. Oh là là, tuer ça le sorcier. Hein. Je vais cimetière, à voir ce que ça donne, j'espère qu'il a pas son sorcier déjà, je pense que oui, mais voilà. Voir ce que ça fait... Est-ce que le sorcier s'est fumé? Non. Okay. Bon, il y a une bûche apparemment aussi, ok, il va mettre ce cochon rio, je pense. Attendez, je sais pas si je place bien la place. Écoutez-moi que je le défends pas. Non. Il a un gel aussi, mais... Il est complètement bourré le ref là. C'est alarmant là ce qu'il fait. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait gros? Pourquoi? Pourquoi? Oh, il est complètement con.
Ouais, j'ai été un peu en trop là, mais ok. Je vais speed ça. On parle comment qu'il va mettre un peu de chaque côté, comme un gland. Ah, il passera pas à son halouf. Hein. Oh bah, sauf si je fais ça. Ah j'ai raté ma turnette comme un gland. Oh, je suis anéanti, bordel. Oh, je suis aberré par ce qui vient de se passer. Bah, allez, petite last game, histoire de bien terminer la vidéo. Ok, on est contre Jijija. Ok, fantôme, on va mettre le boulis. Ok, nous sommes contre deux briches, pam. Là, ça peut être intéressant d'essayer. Oh. Alors, ça, je m'attendais pas forcément à ça. What? Qui est-ce qui vend un 3M le bug là? Alors 3M c'est un match très compliqué, donc là... Là c'est terrible, là c'est chiant. Est-ce que ça vous... J'ai une question, est-ce que ça vous tenterait? Pour ceux qui a ça, ça peut de personnes répondront à cette question, mais est-ce que vous pensez que ça vaudrait le coup que j'essaye de faire un tuto pour chaque carte? Genre par exemple, est-ce que telle carte vaut le coup, telle vraiment forte, tu vois, ce serait comme une série, tu vois, je fais genre une fois par semaine, je fais une vidéo, est-ce que cette carte vaut-elle le coup, ou un truc comme ça, tu vois, genre est-elle vraiment forte, vous avez capté le truc, ouais, cimetière. Putain, j'ai oublié qu'il jouait ça, putain, mais... Oh, mec, mon crâne, il s'est... Les gars, c'est ce qui soit infini, let's go. Ouais, il y a que dalle, hein, pour les deux, hein. Ah, la D2 va être chiant, là. Hein. En plus, oh, parfait. Ah, la gueule, c'est soigné infini, gros. OP. OP. Ah, bah, la gueule, c'est quand tu joues 3M, comme c'est trop chiant. Ah, je suis anéanti, gros. Oh, je suis alarmé par ce qui vient de se passer. Ah, c'est trop drôle. Ah merde. Ah merde, je pensais avoir un cheat. Alors. C'est pas du coup qu'on a un petit souci. Faudrait que ça tue au moins une mousquetaire. Ah, ça tue les deux, c'est masterclass. Ok, parfait. Merde, je pensais avoir un cheat. Oh merde. Bon. Alors attendez. On va être stratégique là. Ok, parfait. Bah écoutez, c'est une presque victoire. Il va se faire fumer mon boulis là. Attendez. Ah, il a des... il a débuté le miroir. Salairement. Bah de toute façon, j'aurais gel, j'aurais pu défendre. Bon, bah ça fait une petite vidéo de 9 minutes. C'est quand même cool. En tout cas, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre meilleur pouce bleu. Attendez, avant... La guerre sauce pour moi elle est forte, mais je trouve que son soin de départ il est pas assez élevé pour moi. Pour moi c'est ça le truc, je dirais. Mais après si tu l'augmentes évidemment qu'elle sera beaucoup trop forte, donc ah faut trouver un équilibre, tu vois. Peut-être elle a aussi, elle a très peu de points de vie, elle a pas beaucoup d'attaque, mais elle guérit, donc je sais pas trop quoi en penser. Faudrait voir si je teste avec plusieurs decks, donc voilà. Merci à tous sur ces jusqu'à la fin, ça me fait plaisir, et